aujourd'hui, la marque Volvo, depuis son lancement, a toujours été réputée pour une marque robuste et qui offre le maximum de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité sur une Volvo concerne tant les occupants de la voiture, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur. Si je ne prends qu'un petit exemple, Volvo, en 1959, a inventé la ceinture de sécurité et n'a pas cherché à la breveter. Aujourd'hui, on va retrouver la ceinture de sécurité sur toutes les voitures. Il y a énormément d'équipements de sécurité qui sont développés tous les ans par les ingénieurs Volvo. Et tous ces éléments sont partagés avec le monde de l'automobile. On suit un petit peu la même tendance que le marché mondial, européen ou américain, partout dans le monde, dans un sens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la marque a beaucoup changé. Depuis 2015, on a eu vraiment une révolution en termes de design. Certaines personnes avaient des appréhensions parce qu'ils se disaient « Ouais, les voitures sont plus jolies, mais est-ce qu'elles sont toujours aussi robustes ?» Donc on a eu ce type de requête de la part de nos clients et il a suffi de les voir, de les tester pour qu'ils se rendent compte qu'on a gardé la robustesse. On a embelli les voitures et on va dire, développé tout l'aspect sécurité de manière un peu plus élégante. Alors l'année 2018 au Maroc, nous avons bouclé l'année avec à peu près 1034 véhicules, ce qui est, on va dire, un record pour le Maroc, dans la mesure où on a toujours tourné entre 600, 700, 750 véhicules. L'année dernière a été vraiment particulière pour le Maroc, avec le XC40, avec le XC60, avec la berline, la S90 et aussi le 4x4 XC90. Jusqu'à présent, ben, on est toujours sur le même trend. On est, je pense, si mes données sont bonnes, à peu près à moins 4% par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière. Ce qui est un peu normal, l'année dernière, c'était une année salon, où on a, à un moment donné, on va dire, atteint des volumes très importants. Cette année n'est pas une année salon, mais on est toujours sur le même trend en termes de volume. Pour Volvo, au niveau international, c'est un challenge qu'ils se sont lancés il y a plusieurs années. C'est toujours d'actualité, ils développent énormément de solutions dans le domaine de l'électrique. D'ailleurs, nous, au Maroc, si je prends l'exemple du Maroc, on a commencé à proposer de l'hybride depuis un peu plus de 2 ans maintenant, sur toute la gamme, XC60 principalement, XC90 et la S90. Ce n'est pas du full électrique, on est vraiment sur de l'hybride, donc un mix moteur thermique et électrique. Mais je pense que dans les prochaines années, très prochainement même, la tendance ira uniquement vers de l'électrique. Pour des raisons, on va dire, environnementales, pour plusieurs raisons, économiquement parlant aussi.